Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les deuxièmes lettres aux Corinthiens, chapitre 3. On va lire du verset 4 au verset 6. Excusez-moi. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. On va débuter du verset 4 au verset 6. Où on voit que l'apôtre Paul disait à l'Église des Corinthiens, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » On va arrêter ici. Nous voyons que dans ce court extrait, ces quelques versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul mettait une chose, frères et sœurs, en évidence. L'apôtre Paul mettait en évidence à quel point que tout ce qu'il avait été capable de faire jusqu'à présent dans son ministère, tout ce qu'il avait été capable de dire, tout ce qu'il avait été capable d'apprendre, ce qu'il avait été capable de comprendre, etc., tout ça venait d'un seul endroit. Tout ça venait de Dieu. Et c'est pourquoi qu'il disait, notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il disait, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Elle nous vient d'un seul endroit, elle nous vient de Dieu. Quand on regarde le mot capacité selon le dictionnaire, plusieurs définitions, comme à l'habitude, beaucoup de définitions à un certain mot, plusieurs définitions se ressemblent. Mais dans le mot capacité, il y a une définition qui sort des autres. Et quand on parle de capacité, entre autres choses, on parle d'aptitude à faire, à comprendre une compétence. Quand on dit que quelqu'un a la capacité, mettons, de bien faire ceci ou de bien faire cela, c'est qu'il a les compétences pour être capable de le faire. Il a des aptitudes qui le portent à être bon pour une chose en question. Il a la capacité. Donc, ça, c'est un terme. Quand on regroupe les autres définitions du mot « capacité », on voit qu'il y a une chose en commun avec les autres définitions. Je ne passerai pas à travers toutes les autres définitions. Mais il y a une chose en commun dans toutes ceux-là, c'est qu'on parle de quantité. Quand on dit, mettons, qu'un tel pot a telle capacité, mais c'est qu'on parle de sa quantité. Il est capable, mettons, de loger telle quantité d'eau, telle quantité de ci, de... Il a la capacité de tel, mettons. Quand on pense à tout ça... Non seulement nous viennent de Dieu toutes nos capacités, les aptitudes qu'on peut avoir, tout vient de Dieu, mais également la quantité des capacités qu'on peut avoir nous vient également de Dieu. C'est profond quand on pense à ça que notre capacité nous vient de Dieu. L'Esprit veut élargir ce matin notre spectre de compréhension de ce terme et nous montrer à travers la parole à quel point, qu'en toute chose, Dieu peut augmenter nos capacités, il peut nous donner des capacités également. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Tournons ensemble dans Josué 14 et faisons ce voyage ensemble ce matin. Voyons comment Dieu... Quelle capacité peut Dieu donner, que Dieu peut donner? Quelle capacité que Dieu peut augmenter? Vraiment, l'Esprit veut élargir notre spectre ce matin et nous montrer que tout est possible en fin de compte. Tout est possible. Quand on sait d'où ça vient, tout est possible. Dans Josué chapitre 14, voyons une déclaration que Josué a faite et on va voir quelle capacité il avait et d'où ça venait. Josué, chapitre 14, si on lit le verset 10 et le verset 11. À travers des guerres que Josué a dû mener sur la nouvelle terre que Dieu voulait qu'il conquérisse, lui et l'armée d'Israël, Josué à leur tête. À travers cette guerre, qu'est-ce que Josué déclare au peuple? Il dit, « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, verset 10, « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans.
Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Josué reconnaissait? Josué reconnaissait que sa capacité physique, que sa santé qu'il avait, lui venait de Dieu. C'est ce qu'il reconnaissait. Dieu, frères et sœurs, est capable de nous donner une bonne santé et il est capable de nous la conserver de très nombreuses années. Bien sûr qu'on doit prendre garde à notre alimentation, à certaines choses. C'est sûr qu'on a de base certaines choses qu'on doit faire. On doit mettre, je dirais pas les chances de notre côté, mais c'est une question de logique aussi. On doit mettre les bons efforts au bon endroit, mais notre capacité physique, elle nous vient d'un seul, elle nous vient de Dieu. On voit d'ailleurs que Josué faisait allusion à Moïse dans ce qu'il disait. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Lorsque Dieu lui a enlevé la vie, c'est pas parce que Moïse est mort de maladie, c'est pas parce que Moïse est mort de vieillesse, c'est parce que Dieu l'a ramené à lui, à cause des raisons qui lui sont propres. Mais qu'est-ce qu'il était dit sur Moïse? Il était dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée, est-il dit, dans Deutéronome 34, verset 7. D'où venait cette capacité que Moïse avait physiquement? Elle lui venait de Dieu. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans les Proverbes, Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8. Vous pourrez lire également Proverbes chapitre 4, verset 20 au verset 22. Et vous allez voir que des promesses de santé sont rattachées à la fidélité qu'on a envers Dieu. Salomon en parle très clairement dans ses Proverbes. D'ailleurs, notre capacité nous vient tellement de Dieu qu'on voit qu'un prophète a dit ceci, « Ne le sais-tu pas, disait-il, ne l'as-tu pas appris, que c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voyez cela dans Ésaïe chapitre 40, j'ai lu verset 28, au verset 31. Dieu, frères et sœurs, peut nous donner des capacités physiques vraiment grandes. Dieu peut conserver les capacités physiques que l'on a vraiment longtemps. Souvent, on ne s'arrête pas sur ces choses, ça paraît simple dit comme ça, on ramène les choses à nous, mais pourtant, on devrait les ramener à Dieu. Notre capacité physique vient de Dieu. Dieu peut donner et Dieu peut enlever. Tout est entre ses mains. Quand on recule dans Josué chapitre 1, pas tellement plus loin d'où qu'on était, voyons ce qu'il est dit à Josué. Parce que des capacités, il y en a plusieurs, on peut aller dans plusieurs sens. On voit que il est dit à partir du verset 1 de Josué chapitre 1, qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, frères et sœurs, une autre capacité qu'on a besoin, c'est des capacités également morales. Parce qu'on a des combats, on a des choses à affronter, et comme je le rappelle souvent à l'Église, comme également le message de la semaine passée nous le démontrait assez clairement, il y a beaucoup de défis qui nous attendent dans les mois qui viennent, dans les années peut-être qui viennent, Dieu sachant toutes choses. Et on a besoin, entre autres, de capacités morales pour faire face à ces choses-là, pour avoir, comme on appelle en bon québécois, un moral de fer, être capable d'être solide psychologiquement, être capable d'encaisser les choses, être capable de faire face aux défis de la vie et aux défis qui sont extérieurs à notre contrôle. Dans toutes ces choses, notre capacité nous vient de Dieu, frères et sœurs. Nous voyons ici que Josué faisait face à des défis, et si ça aurait été de ses propres capacités, jamais qu'il n'aurait traversé ce Jourdain, il n'en aurait pas eu la force. Mais Dieu lui a fortifié le moral, Dieu lui a donné des paroles d'assurance, et par ces paroles, Josué a pu, la tête haute, fièrement, courageusement, traverser le Jourdain et affronter les défis qui allaient devant lui, surtout qu'il était à la tête de toute l'armée d'Israël. Notre capacité morale, frères et sœurs, nous vient également de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut porter à oublier. On voit que, faites juste écouter, il était dit un jour à un autre endroit, un autre prophète, disons qu'il est devenu prophète par la force des choses, il nous a dit quoi à propos de Daniel? Faites juste écouter. Parce que Daniel a été fidèle, lui et ses amis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu leur accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Et le roi s'entretint avec eux, avec les jeunes gens, et il ne s'en trouva aucun autre comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voyez ça dans Daniel chapitre 1, j'ai lu verset 17 au verset 20. Dieu peut augmenter nos capacités morales, Dieu peut nous en donner encore plus si on en manque, mais Dieu peut augmenter également nos capacités intellectuelles, frères et sœurs. Dieu peut nous rendre plus intelligents, Dieu peut nous rendre plus sages. Ces capacités-là nous viennent également de Dieu. Nous voyons que pour ces hommes-là, la Bible nous dit pas qu'ils se sont assis puis qu'ils ont étudié des livres pendant des années et des années pour devenir intelligents. La Bible nous dit pas qu'ils ont pris des cours puis qu'ils ont été formés par des bons professeurs puis qu'ils sont devenus intelligents. La Bible nous dit que Dieu leur donna l'intelligence et la sagesse. Et qu'ils furent trouvés 10 fois supérieurs à tous ceux qui avaient étudié pendant je sais pas combien de temps dans tous les cours qui avaient été donnés à l'époque. 10 fois supérieur. Pourquoi? Parce que notre capacité nous vient de Dieu, frères et sœurs. Dieu peut rendre quelqu'un extrêmement intelligent, s'il le veut. Dieu peut rendre quelqu'un extrêmement sage, s'il le veut. On voit que Salomon disait, dans les Proverbes, si vous voulez tourner avec moi dans Proverbes chapitre 2, voyons ce que Salomon disait dans les Proverbes sur cela. Proverbes, chapitre 2. On va lire le verset 6. Et ensuite, on lira le verset 10 et le verset 11. Et Salomon le met très clairement.
Proverbes chapitre 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse. » L'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Versets 10 et 11, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, et l'intelligence te gardera. » Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. On va arrêter ici. Malheureusement, frères et sœurs, nous mettons beaucoup d'espoir dans nos propres capacités. Nous mettons beaucoup d'espoir dans nos propres aptitudes. Que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit intellectuel, quand pourtant on devrait les mettre en Dieu. Voulons-nous être plus forts moralement? Demandons-le à Dieu. Et soyons prêts à accepter ce qui va suivre. Voulons-nous être plus intelligents? Demandons-le à Dieu. Et soyons prêts à accepter ce qui va suivre. Et Dieu nous rendra, selon notre bon vouloir, plus forts moralement. Plus sage, plus intelligent. Parce que nos capacités viennent de Dieu, frères et sœurs. Nos capacités viennent de Dieu. Si on va dans l'Exode, chapitre 31, je vous fais tourner beaucoup, on a beaucoup de choses à voir. Dans l'Exode, chapitre 31, lorsque Dieu a eu besoin d'ouvriers pour accomplir tous les ustensiles, toutes les choses qui avaient à être construites pour le culte. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Exode 31, à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Arrêtons ici. Trop souvent, nous pensons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas capables de faire ceci ou de faire cela. On se met tellement de barrières pour tellement de choses. On se dit, ah, c'est pas dans moi ça, pas capable de faire ça. Mais sachez qu'en faisant cela, vous mettez des barrières à Dieu. Parce que Dieu peut vous donner la capacité de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Si quelqu'un le veut, frères et sœurs, il peut demander à Dieu d'être bon dans quelque chose et il le sera. S'il croit que sa capacité vient de Dieu, il pourrait l'être. Vous savez, malheureusement, dans l'Église, on manque des dons. Je ne parle pas ici. Dans les Églises, en général, on manque des dons. Parce que les enfants de Dieu manquent d'initiative. Parce que si quelqu'un voulait, mettons, être bon dans la musique, et qu'il croyait que les capacités viennent de Dieu, quelqu'un qui n'a aucune aptitude en musique pourrait devenir extrêmement bon en musique. Parce qu'il croit que les capacités viennent de Dieu. On en avait eu un exemple, malheureusement, il ne l'a pas mis à profit. Vous vous souvenez de Jacob, le fils à Steve et Nathalie? Souvenez-vous que ça a pris même pas un an et quelques, puis il était meilleur que sa mère et son père dans plusieurs instruments? C'était un exemple. Malheureusement, il ne l'a pas mis dans au service de Dieu, mais bon, ça, c'est une autre histoire, ça regarde. Mais Dieu peut augmenter les capacités, frères et sœurs. Dieu peut donner des capacités que quelqu'un n'a même pas. On voit qu'ici, lorsque Dieu a eu besoin de gens pour faire toutes sortes d'ouvrages, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas que Dieu il a été voir des bancs d'école, ceux qui avaient des aptitudes, puis OK, lui, je le prends, lui, pas assez bon, je le prends pas. La Bible nous dit, Dieu l'a rendu capable. Dieu avait besoin de gens, Dieu les a sélectionnés et il leur a donné les capacités
de faire ci ou de faire ça. Ça nous en dit long, frères et sœurs, lorsqu'on croit que notre capacité nous vient de Dieu. Ça nous en dit long. Trop souvent, c'est à nous qu'on met des barrières. Et on met des barrières malheureusement à Dieu. Parce que si on ne se mettait pas de barrières, il n'y aurait pas grand-chose qui ne nous serait pas possible. Il n'y aurait pas grand-chose qui ne nous serait pas possible. Ça, je le crois entièrement. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. » Voyez ça dans Proverbes 14, verset 6. Dieu peut faire, frères et sœurs, qu'on ait un grand succès dans tout ce qu'on entreprend. Si on croit que nos capacités nous viennent de Dieu, nous pouvons, dans ce qu'on fait, avoir énormément de succès. Puis on va juste faire qu'est-ce qu'on a à faire, mais Dieu va faire jaillir le succès au milieu des choses qu'on fait. Ça aussi, c'est possible. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans la Genèse 39, versets 3 et 6, et pensez à Joseph. Pensez à Joseph, qui avait été amené comme esclave et qui est tombé dans la maison de Potiphar. Et que Potiphar, il l'a mis... Mais il le regardait aller, en fin de compte, puis il a vu que tout ce qu'il touchait réussissait tellement qu'il le met à la tête de toute sa maison parce qu'il avait tellement de succès dans tout ce qu'il faisait, ça allait tellement bien ses affaires, il le met à la tête de sa maison. Mais vous savez, frères et sœurs, les enfants de Dieu peuvent se démarquer de cette façon-là dans les entreprises où qu'ils travaillent ou ailleurs. Parce que Dieu peut faire jaillir le succès à travers de ce qu'ils font et ça sera remarqué, ça. Ça sera remarqué. Nos capacités nous viennent de Dieu, frères et sœurs. Nous voyons que David disait dans un psaume, en parlant du juste, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, disait-il. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Vous voyez ça dans le psaume chapitre 1, verset 3. On voit que, si on veut aller dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, voyons encore autre chose. L'Esprit veut élargir notre spectre ce matin. L'Esprit veut nous faire voir plus large dans ces choses. Parce que quand on lit ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, notre capacité nous vient de Dieu, ben on pense comme ça. On ne voit pas large. L'Esprit nous l'élargit ce matin, le spectre. Il nous montre, quand on parle de capacité, on peut parler de bien des choses, là. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 17, qu'est-ce qui est dit? Ecclésiaste au chapitre 5, 17 n'existe pas, c'est le verset. Ecclésiaste chapitre 5, verset 17 et 18. Il est dit, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire. Et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il a fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de ce travail, c'est là un don de Dieu, est-il dit. Dieu, frères et sœurs, peut nous donner de grandes capacités matérielles. Dieu peut nous donner d'être des gens qui réussissent bien en affaires. Il y en a. Aux États-Unis, on a beaucoup, entre autres, de frères et de sœurs qui ont des grandes entreprises de voitures, d'aviation, etc. Et ça ne leur monte pas à tête pour autant. Ils sont très généreux envers les églises et envers Dieu dans leurs finances. Et Dieu fait qu'ils en ont encore plus, comme il est écrit. Dieu peut faire cela, frères et sœurs. On a malheureusement tendance à penser que parce qu'on est chrétien, on doit être absolument pauvre. C'est une fausse pensée. C'est une fausse pensée. Un chrétien peut avoir de l'argent. Mais un chrétien qui sera riche pour Dieu. Et c'est ce qui le rendra riche. Et plus riche encore dans ces choses. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul en parlait, si vous voulez lire pendant la semaine, 2 Corinthiens 8, versets 6 à 11, quand l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens à travers des dons, hein? Et tout ce que vous aurez donné, Dieu va en pourvoir que vous en ayez encore plus, afin de pouvoir en donner encore plus. Et la roue tourne, comme ça. Pourquoi? Parce que nos capacités nous viennent de Dieu.
frères et sœurs. Notre capacité nous vient de Dieu. Avant de s'en aller vers la conclusion, si on va dans Jean chapitre 21, alors on voit quelque chose d'autre dans l'Évangile selon Jean chapitre 21. Pêche miraculeuse que les disciples ont vécu, deuxième pêche miraculeuse que les disciples ont vécu. Jean chapitre 21 à partir du verset 5. Lorsqu'ils ont rien pris de la nuit et que là, ils ont vu quelqu'un sur le bord du rivage et qu'il leur a dit, « Jetez vos filets, vous allez trouver. Jetez vos filets à droite, vous allez trouver. » Il est dit, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Jean 21, à partir du verset 5. Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus retirer. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre et d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. On va arrêter ici. J'ai déjà apporté, frères et sœurs, un message sur cela. Comment que la pêche miraculeuse de Luc, chapitre 5, vous n'avez pas besoin d'y tourner, comme cette deuxième pêche miraculeuse nous montre une chose, entre autres, c'est que dans Luc, chapitre 5, la Bible nous dit que le filet se rompait. Mais ils n'ont pas perdu rien quand même. Malgré que le filet commençait à se rompre, il a été capable de toffer, comme on dit en bon québécois. Il a été capable de soutenir la quantité jusqu'à ce qu'il puisse le retirer. Ici, la Bible nous dit que malgré qu'il y avait tant de poissons, le filet s'est pas rompu, le filet a tout contenu. Et ça, frères et sœurs, ça nous démontre comment que Dieu peut augmenter nos capacités également par rapport à l'usure des choses. Dieu peut permettre que des choses puissent résister, que ce soit notre santé, que ce soit nos capacités physiques ou que ce soit même des choses matérielles, Dieu peut permettre que ces choses-là puissent demeurer très longtemps, puissent résister très longtemps. Ça peut paraître banal, mais c'est pas rien. Dieu sait toutes choses. On voit que, vous savez que dans le désert, lorsque le peuple a marché, qu'est-ce que Dieu leur a rappelé dans le Deutéronome 8, j'y tournerai pas, mais il leur a dit, vos pieds ne se sont pas enflés, vos souliers ne se sont pas usés, vous n'avez pas eu d'enflure. Pourquoi? Parce que Dieu a donné les capacités. Nos capacités, frères et sœurs, nous viennent de Dieu. Voyez ça dans Deutéronome 8, en passant verset 2 et verset 4, ce que je vous ai cité. Vous savez, je donne un exemple personnel. Avant d'être au ministère, moi et mon épouse, on avait fait comme plusieurs d'entre vous avaient sûrement fait un jour, on a décidé d'investir pour s'acheter un auto. On l'a loué. Une Ion Saturn 2004. Et quand on a loué cette auto, on voulait pas s'enfler la tête avec ça, on s'est mis en prière, puis je m'en souviens encore comme si c'était hier, on a dit « Seigneur, on veut mettre cette auto-là à ton service. » Autrement dit, partout où mon pasteur va avoir besoin d'aller, je vais le transporter, je vais l'amener. Partout où il va être invité à prêcher, je vais y aller, je vais le soutenir. Partout où j'aurai besoin moi-même d'aller, puis je savais pas que le Seigneur allait m'appeler au ministère dans ce temps-là. Je vais le faire, Seigneur. On veut consacrer cette auto-là. On sait qu'on va s'en servir pour le travail, puis pour tout. Mais on veut que cette auto-là serve à ton œuvre. Bien, ceux qui me connaissent le savent, elle a 370 000 kilos, puis elle est encore chez nous, puis elle va encore bien. Un petit exemple de même. Un petit exemple comme ça. Et je ne dis pas ça, on ne veut pas se vanter avec ça ou quoi que ce soit. Les autos qu'on a toutes achetées, mon Pacifica avant celui que j'ai là, Pacifica, il a toffé 345 000 kilos avant qu'on doive le laisser aller. Celui-là, il est déjà rendu à quasiment 200 000 kilos. Et Dieu
peut augmenter la capacité des choses. Dieu peut le faire. C'est les preuves. Et il y en a bien d'autres. Peut-être que vous avez des faits personnels vous-même que vous pourriez dire. Frères et sœurs, quand que la Bible nous dit que notre capacité nous vient de Dieu, ça peut tellement aller dans différents sens. C'est nous qui manquons d'imagination. On manque d'imagination. Ça peut aller dans bien des sens, ça, frères et sœurs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. On va conclure, et vous allez voir qu'on va prendre tout ça ensemble, on va remarquer une chose, par exemple. On va remarquer une chose dans tout ça. Mais on va aller à la conclusion dans Philippiens chapitre 2. Allons là. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va lire le verset 12 et le verset 13. On va conclure là-dessus et on va prendre tout ce qui nous a été donné jusqu'à présent. Il est dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez des enfants, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je vais arrêter ici. Toute cette abondance de capacités, frères et sœurs, que Dieu peut nous donner. Dans tout ce qu'on a vu ce matin, remarquez une chose, c'est qu'elle était premièrement mise au service de Dieu. C'est ça qu'il faut se rappeler. Frères et sœurs, Dieu ne nous promet pas d'augmenter nos capacités pour qu'on soit les seuls bénéficiaires de tout ça. Pour qu'on ramène ça à nous puis qu'on dise, je veux avoir plus de capacités parce que je veux avoir plus de succès dans mes entreprises pour ma vie personnelle et blablabla. Toutes ces promesses, frères et sœurs, notez que dans tous les cas qu'on a vus, c'était pour être mis au service de Dieu. Et parce que c'était mis au service de Dieu, Dieu le faisait. Et la personne en profitait aussi, bien sûr, dans sa vie personnelle. Vous savez, ça fait maintenant quoi, 12 ans que je prêche? Mais si vous m'aviez vu à l'école, comment j'étais gêné. Si vous m'aviez vu à l'école, si on pourrait reculer dans le passé, puis pourriez voir comment j'étais timide à l'école, comment j'étais même pas capable de faire un exposé oral à l'école. Je bégayais, je shakais devant la classe, puis je scrapais la moitié de mes exposés parce que j'étais pas capable d'articuler correctement. Et maintenant, je prêche la parole de Dieu devant des... pas une grande foule ici, mais j'ai déjà quand même prêché devant des centaines de personnes quand même. À des services funéraires, entre autres choses. Frères et sœurs, nos capacités nous viennent de Dieu. Et on en profite dans notre vie personnelle. À un moment donné, au travail, je vais conclure comme ça, juste une anecdote. Au travail, à un moment donné, parfois, à travers le travail, il y a des... comme l'école, entre autres choses, il y avait des ateliers, mettons, scientifiques que IBM pouvait donner à des enfants. L'école demandait à la compagnie IBM, est-ce que vous pouvez envoyer des gens, mettons, faire des petits ateliers scientifiques sur des choses? Puis oui, ça permet à IBM de se faire connaître dans la collectivité. Hein. C'est bon pour l'image de la compagnie, hein, faire des petits trucs comme ça. Puis des employés pouvaient s'inscrire, puis on était payés, ceux qui le voulaient, là, on était payés pour aller donner des petits ateliers scientifiques à des écoles. Et puis je me suis inscrit. Puis à un moment donné, il y avait un concours d'élèves. Il y avait un concours où il y avait des ateliers, chaque élève avait des ateliers, puis nous autres, on était des juges. Nous autres, on était des juges, ceux qui s'étaient inscrits. Là, puis on passait, ça durait 2 jours. Pendant 2 jours, j'étais payé pour aller dans une école, puis aller regarder les kiosques, aller écouter les élèves, présenter le chose à chaque kiosque, puis les évaluer sur différentes choses. Hein, comment ils ont articulé, comment ils m'ont, c'était-tu clair, etc., etc. Vraiment, vraiment plaisant, une très belle expérience. Puis, au début, avant que tout ça commence, ben comme de raison, vu qu'IBM était un des
comment je pourrais dire ça, des contributeurs de l'occasion, de l'événement à cette école, ben pas le président de l'usine, c'était le vice-président de l'usine qui était venu parler à tout le monde au nom d'IBM, de féliciter les jeunes, et tout. Puis il y a eu les ateliers, mais le vice-président, il est parti, il pensait pas qu'on allait leur demander de parler, mettons, puis il est parti entre-temps. Fait quand il y a eu la fin, la conclusion, là, où que là, il y a eu des vainqueurs qui ont été nommés, puis que là, on était tous assis, puis on était une quinzaine d'IBM, puis que là, à la grande surprise de tous, ceux qui organisaient l'événement ont dit, est-ce que le vice-président d'IBM, mettons, pourrait nous dire encore quelques mots pour conclure? Et là, il y a quelqu'un qui est venu dire, ben, le vice-président est parti, puis là. Et que là, la personne, elle demande à ceux qui sont assis en arrière de nous autres, ceux qui sont au travail pour IBM, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelques mots pour IBM? Et là, tout le monde se regardait, puis personne qui voulait se lever. Hein? Ben, je me suis levé, je suis allé devant au-dessus de 500 personnes, dans une estrade, puis j'ai parlé au nom d'IBM, puis j'ai félicité les enfants. Hey. Nos capacités, frères et sœurs, nous viennent de Dieu. J'aurais été capable de faire une affaire de même. Jamais. C'est parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Puis quand on se rend compte de ça, on est capable d'en faire bien des choses. Bien des choses. C'est mémorable d'ailleurs, ça va me rester, parce qu'on vice-président, après ça, il ne m'est jamais revenu, mais j'ai su qu'il l'a su. T'sais, j'ai su par en arrière des branches qu'il l'avait su, mais il ne m'est jamais revenu avec ça. Pas grave. Moi, je ne l'ai pas fait pour... Je l'ai fait surtout pour que la compagnie n'ait pas l'air folle, parce que là, il n'y avait plus personne qui pouvait parler. Il voulait parler plutôt. Mais c'est ça, c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin, nous montrer que quand Paul parlait aux Corinthiens que nos capacités nous viennent de Dieu, on est limité, on manque d'imagination. Ça peut tellement aller dans plein de sens, puis quelqu'un qui croit ces choses-là, puis qui se garde les portes ouvertes, peut faire des choses très surprenantes dans sa vie, quand il sait d'où viennent les capacités. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.